Ce mercredi 18 janvier 2023, Cyril Hanouna a présenté un nouveau numéro de Touche pas à mon poste. Dans ce dernier, Raymond Abou-Cest rappelait qu'il avait participé à une célèbre émission mais qui n'avait jamais été diffusée, ce qui a évidemment amusé Cyril Hanouna. Cyril Hanouna présente l'émission Touche pas à mon poste depuis plus de 10 ans maintenant. Et durant toutes ces années, il a vu défiler de nombreux chroniqueurs autour de la table. Même si les têtes ont pas mal changé, un petit détail est toujours bien présent, le côté taquin de l'animateur. En effet, Cyril Hanouna n'hésite pas à malmener son équipe, de manière bienveillante. Et celui qui fait souvent les frais de ce trait de caractère de son patron, c'est Benjamin Castaldi. Des moqueries qui n'auraient pas été sans conséquence puisque Benjamin Castaldi a révélé en février dernier qu'il s'était fait opérer à cause de lui, « J'ai fait les paupières à cause de vous. Vous pouvez me rembourser ?» Il m'a charrié pendant des mois et des mois. Il m'a mis un complexe. Je me suis fait opérer pour lui, avait-il déclaré. T'es sûr que t'as pas fait un dîner presque parfait? Mais ce mercredi 18 janvier 2023, ce n'est pas Benjamin Castaldi qui a été la cible de Cyril Hanouna, mais Raymond Abou. Lors du numéro du jour, le chauffeur-livreur a dévoilé une drôle d'anecdote sur le plateau. Il s'est rappelé qu'il avait participé à une célèbre émission du groupe M6 en 2019, un dîner presque parfait, diffusé chaque soir sur W9. Tu te souviens, je t'avais demandé pour aller faire un dîner presque parfait, a-t-il commencé. Une déclaration à laquelle Cyril Hanouna a répondu de manière positive. Raymond Abou lui a ensuite demandé, avec une touche d'ironie, ça passe quand? Je suis en train d'y repenser. J'avais été dans un appartement en location dans Paris. En effet, l'émission en question n'aurait jamais été diffusée. Une déclaration qui a évidemment amusé Cyril Hanouna qui n'a pas hésité à se moquer de son chroniqueur, t'es sûr que t'as pas fait un dîner presque parfait? Un doute partagé par Mathieu Delormeau. Ce dernier a demandé à Raymond Abou s'il avait bien participé à la semaine entière du concours, ou s'il avait fait seulement un épisode, et donc avait été la victime d'une blague ou d'un faux tournage. Le mystère reste entier.